Bienvenue sur le plateau de Musical pour ce quatrième volet, quatrième et dernier volet de ce mois du piano que nous avons consacré au renouveau du piano français. Alors, comme je vous l'avais annoncé, cette dernière émission a été conçue, coproduite, si j'ose dire, en collaboration avec nos amis du monde de la musique, et c'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Thierry Beauvert. Thierry Beauvert qui est le nouveau rédacteur du monde de la musique. Je crois que vous avez été nommé il y a un mois. Absolument, c'est mon premier numéro. C'est votre premier numéro, et pour ce premier numéro, vous vouliez à nous, à Musical. J'en suis donc très content. Et je voudrais, au fond, vous demander pourquoi. Nous avons parlé, nous, d'un renouveau du piano français. Est-ce que vous le voyez de cette manière-là? Plutôt que de renouveau, je parlerai de foisonnement. Ce qui me semble significatif du piano aujourd'hui, du piano français en tout cas, c'est ce foisonnement de personnalité qui est un petit peu généré par l'enseignement. C'est-à-dire, Dieu merci, l'enseignement, la façon Marguerite Long et les œillères que ça avait pu amener sur la carrière de certains a disparu. Et on se retrouve aujourd'hui avec des personnalités extrêmement variées, toutes prometteuses, beaucoup de talents en développement. Et c'est dû en grande partie à la qualité de l'enseignement qui se pratique aujourd'hui jusque dans les murs sacro-saints du conservatoire. Donc, on peut difficilement parler, d'après ce que je comprends, d'une école de piano français telle qu'on a pu en parler, disons, avant-guerre. Oui, je crois, dans la mesure où les pianistes, justement, n'étant plus bridés par leurs professeurs, ont eu la liberté de s'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres écoles, avec les guillemets, c'est-à-dire d'aller voir en URSS, d'aller voir en Allemagne, d'aller voir aux États-Unis, un petit peu comment les gens jouent, ce qu'ils font, d'assister à des masterclass. Les masterclass de Nikita Magaloff, par exemple, à Paris, n'ont peut-être pas toujours eu le public qu'il fallait, mais il y avait des élèves du conservatoire qui assistaient. Et tout ce phénomène génère ce foisonnement. Alors, est-ce que les maisons de disques suivent ce mouvement ? Dans la force de leurs faibles petits moyens, je dirais, parce que les maisons de disques françaises, à quelques exceptions près, sont de diffusion très hexagonale. Ça ne suffit pas pour construire la carrière d'un pianiste aujourd'hui. Et pour un Michel D'Alberto qui a un contrat chez Denon, pour un Jean-Marc Luzada qui a un contrat chez Deutsche Grammophon, beaucoup d'entre eux doivent piétiner à l'entrée de maisons de disques, malgré un talent qui leur permettrait tout à fait de faire leur début en compact. Très bien. Alors, pour cette émission, je vous ai demandé, donc, puisque c'était la quatrième émission, c'est notre principe 1, 2, 3, 4, de choisir quatre pianistes. C'était pas facile de choisir quatre pianistes de cette nouvelle génération, disons, en gros, moins de 30 ans, qui représentent la jeune garde, les futures étoiles, disons, du piano français. C'était difficile. On en a parlé ensemble il y a déjà un certain nombre de mois. J'avais moi-même deux idées, vous en aviez deux autres, nous les avons réunies, et vous avez donc décidé de nous présenter ces quatre pianistes qu'on va entendre ce soir. Alors, la question un peu perfide que je vais vous poser, pourquoi avez-vous choisi ceux-là? C'est-à-dire, pourquoi avez-vous éliminé tous les autres qui vont vous téléphoner, vous envoyer des lettres d'injure à partir de demain? Tout de suite, pour ne pas me fâcher justement avec eux, je dois dire qu'on avait pensé, et ensemble d'ailleurs, des pianistes comme Jean-Flamme Bavouzet, comme Frédéric Agassi, comme Roger Muraro, comme Gisèle Magnan. Mais disons, s'il a fallu en choisir quatre, on a pris ces quatre pianistes comme exemple de ce foisonnement. Ce sont tous des pianistes qui ont un parcours différent, une carrière différente, des horizons différents, un répertoire différent. Et c'est un petit peu, à notre avis, l'archétype de ce foisonnement. Ils ont aussi des âges différents dans la carrière, ce qui me semble intéressant à montrer ce soir. Voilà ce qui peut expliquer qu'on n'ait plus en vexer d'autres. En tout cas, nous allons passer une bonne soirée, vous nous le promettez. Absolument. Avec de la belle musique. Absolument. Alors on commence avec qui? Avec Philippe Cassard. Dites quelques mots sur Philippe Cassard pour le présenter. Alors Philippe Cassard est un élève du Conservatoire de Paris où il a travaillé avec Dominique Merlet. C'est aussi un élève de Hans Graf à Vienne, un disciple chéri de Nikita Magaloff. Et il a vu sa carrière démarrer en passant un concours, lui qui l'est détesté. Il a remporté en 1988 le concours de Dublin et ça lui a ouvert les portes d'une carrière véritablement européenne et les portes d'une maison de disques puisqu'il a déjà fait deux disques chez ADA, qui sont deux disques françaises. Philippe Cassard, c'est un pianiste à l'imagination, toujours en alerte. Mais c'est un être pudique, raffiné, et j'ajouterais que sur le plan personnel, c'est un gourmand et un cinéphile averti. Très bien. Eh bien, il va nous jouer, je crois, deux pièces de Schubert. Tout à fait, les moments musicaux numéro 3 et 5 en fa mineur. Qui sont, je le rappelle, pour situer les choses, datés de 1827, c'est-à-dire l'année d'avant la mort de Franz Schubert. Nous écoutons Philippe Cassard.
Philippe Cassard, vous étiez il y a quelque temps encore assez réservé quant à l'utilité des concours internationaux. Est-ce que votre victoire à Dublin en 1988 a changé votre point de vue ? En vérité, j'étais toujours plus circonspect quant au système même du concours, c'est-à-dire ce qui est devenu peu à peu une véritable compétition sportive et, avec une tension psychologique souvent difficilement soutenable. Et non, ça, je trouve que c'est quelque chose de dommageable, qui n'a rien à voir avec la musique. Mais cela dit, en effet, on peut toujours concevoir aussi un peu d'amertume quand on est éliminé et on n'examine pas toujours les raisons pour lesquelles on est éliminé. On ne voit pas toujours ses propres défauts. Cela dit, c'est évident que je n'ai pas changé d'avis, même si j'ai eu beaucoup de chance l'année dernière à Dublin et que Dublin était un concours très particulier. C'était le premier concours, le programme était tout à fait spécial et qu'il a ouvert en effet beaucoup de portes. Alors le concours de Dublin, vous avez ouvert les portes non seulement d'Irlande, mais d'un certain nombre de pays européens. Comment vous jugez la vie musicale dans ces différents pays par rapport à la France, où on dit souvent que les institutions n'en font pas assez pour les jeunes pianistes ? Je crois que c'est surtout un problème de centralisation. C'est qu'en France, tout est un peu ramené à Paris, la presse, les organisations de concerts, alors qu'en Allemagne, par exemple, où tout est divisé en Länder, il y a les radios régionales qui ont un impact incroyable, la presse régionale, enfin, il n'y a pas un journal en France régionale qui a le poids du Frankfurter Allgemeine ou du Süddeutsche Zeitung. Et en Angleterre, c'est la même chose. Tout n'est pas à Londres. Cela dit, beaucoup de mes camarades ont peut-être moins de chance que moi parce que j'ai cette année plusieurs concerts en France, avec le National en mai prochain ou avec l'Orchestre de Lyon et Emmanuel Krivine. Donc je n'ai pas à me plaindre. Et des projets discographiques aussi ? Eh bien, écoutez, oui, je pense que je vais enregistrer peut-être tout Debussy dans les prochaines années. Chez Ada ? Chez Ada. Donc on va tout de suite en entendre un futur extrait avec Les Poissons d'Or. Les Poissons d'Or, oui, c'est une pièce, c'est la dernière pièce du deuxième livre des images qui a été écrit en 1908 et... Poisson d'or, c'était un petit peu une fantasmagorie sur un petit panneau en laque noire et des petits poissons dorés que Debussy avait vus. Donc, dernière pièce du deuxième livre d'images. Thank you.
Merci Philippe Cassard, nous vous retrouverons sûrement dans Musical, je l'espère, et puis dans de nombreux concerts et de nombreux disques. C'est une carrière que je vous souhaite prometteuse. Alors, maintenant Thierry Beauvert, nous allons rencontrer notre deuxième pianiste. C'est une pianiste, c'est la plus jeune d'ailleurs de votre équipe aujourd'hui, de votre écurie du monde de la musique. Absolument. Elle s'appelle Claire Désert et elle a 22 ans, je crois. Tout à fait, c'est la Benjamine de notre plateau ce soir. C'est une jeune pianiste avec laquelle pourtant les aidés devront compter bientôt à notre sens. C'est une élève, encore une fois, du Conservatoire de Paris, mais cette fois de la classe de Wenceslas Jankov. Et après avoir... Excusez-moi de vous interrompre, mais la preuve que le Conservatoire forme encore des bons pianistes. Parce qu'en voilà deux qui sont des élèves du Conservatoire. Tout à fait, mais c'était sous-entendu, si ce n'est dit, dans mon préambule. Mais après ses prix au Conservatoire de Paris, elle avait envie et elle a eu la chance d'être invitée par Evgeny Malinin au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, où elle est partie donc travailler un an. Et la voici de retour en France. Elle a passé aussi le concours de Santander. Et elle mène parallèlement, ce qui est intéressant aussi dans son parcours, elle mène parallèlement à sa carrière de soliste une carrière de musique de chambre avec un quatuor qu'elle a formé, qui s'appelle le quatuor Kandinsky. Très bien, et elle va nous interpréter, elle, Schumann, pour commencer. Voilà, deux des Fantasiestücke opus 12. Et des Fantasiestücke qui s'appellent In der Nacht, c'est-à-dire dans la nuit, et Fable, ces Fantasiestücke qui sont datés de 1837. Claire Désert.
Claire Désert, qu'est-ce qui pousse une jeune pianiste, après son prix au conservatoire, à s'exiler à Moscou pour travailler à nouveau ? S'exiler, le mot est un peu fort. Yevgeny Malinine, le professeur avec lequel j'ai travaillé à Moscou, m'a invité donc à venir dans sa classe. Sans cette opportunité, peut-être que je n'y serais pas allée. Par ailleurs, j'étais désireuse évidemment de travailler avec lui pendant une durée assez continue, et puis aussi d'approcher d'un peu plus près l'école russe, parce que s'il y a un lieu où la notion d'école soit préservée, c'est bien à Moscou. Et puis en dernier lieu, comme je fais beaucoup de musique de chambre, j'avais envie aussi de me consacrer au piano pendant une durée comme ça bien définie d'un an. Alors vous avez perçu l'existence d'une école russe du piano. Est-ce qu'il existe une école française du piano, à votre avis ? Je crois que maintenant, on ne peut plus parler d'école en Occident. Les professeurs viennent un peu de tous les horizons, que ce soit en France ou aux États-Unis, ou par exemple, je pense à l'université, une des plus prestigieuses comme Bloomington, ou les Chebok, Starker viennent d'Europe de l'Est. Il y a une unité de langage à Moscou que l'on ne retrouve pas, et peut-être pas plus mal, ailleurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez choisi aussi de vous consacrer à la musique de chambre parallèlement à votre carrière de soliste. C'est difficile à mener de front ? Ce n'est pas évident. J'essaie effectivement de partager équitablement mon temps de travail entre le piano et la musique de chambre. Je fais partie d'un quatuor avec piano qui s'appelle le Quatuor Kandinsky, et nous essayons tous les quatre d'avoir un travail assez soutenu sur cette formation, comme le ferait finalement des quartettistes à cordes. Et finalement, les quatuors avec piano sont souvent ou un trio avec piano auquel on ajoute un altiste, ou encore un trio avec à cordes auquel on ajouterait un pianiste. Et nous pensons tous les quatre que le répertoire est suffisamment riche et intéressant pour qu'on l'approfondisse vraiment. Vous n'avez pas peur un jour d'être obligé de choisir l'une ou l'autre des casquettes ? Je ne pense pas, le problème ne s'est pas encore posé. Je pense à des pianistes comme Jean-Claude Pentier ou encore Planès ou Esser qui font les deux admirablement. On va vous entendre dans la 12e et redoutable étude de Scriabine. C'est un résultat de votre passage en URSS ? Je l'ai travaillé effectivement là-bas, mais je m'intéressais au répertoire russe, surtout Scriabine et Moussorski avant de partir. Donc la 12e étude, Ré dièse mineur de Scriabine. Voilà. Merci Claire Désert, c'était très agréable. C'est très agréable d'avoir une pianiste qui est aussi charmante et aussi bonne musicienne. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Thierry Beauvert, notre troisième invité, votre troisième invité. Philippe Bianconi, un Niçois, élève de Gabi Casadesus, mais qui n'a jamais cru bon de faire le détour par le Conservatoire de Paris. Il a passé deux concours aux États-Unis, le concours Van Cliburn et le concours Robert Casadesus, qui lui ont ouvert les portes d'une carrière américaine.
d'une carrière européenne ensuite, et puis la France semble se souvenir qu'il existe, donc on peut dire que c'est un Américain à Paris. Peut-être vous voulez lui poser une question dès maintenant ? Volontiers. Alors allez-y. Philippe Bianconi, vous êtes un petit peu un paradoxe sur ce plateau ce soir, puisque beaucoup vous considèrent comme un pianiste français, mais faisant carrière aux États-Unis. Qu'en est-il ? Écoutez, c'est vrai, en tout cas, ça a été vrai pendant un certain temps, puisque j'ai passé des concours aux États-Unis, j'ai obtenu des premiers prix, une médaille d'argent au concours Van Cliburn, et à la suite de ces récompenses, j'ai eu énormément d'engagements aux États-Unis, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, et pendant un certain temps, effectivement, j'avais très peu de choses à faire ici. C'est en train de changer un petit peu, puisque je commence à avoir de plus en plus de concerts en France et même en Europe. J'ai des engagements de plus en plus fréquents en Allemagne, en Angleterre par exemple. Est-ce que ce sont vos concerts aux États-Unis qui vous ont fait une sorte de publicité en France, ou simplement la France au bout d'un moment s'est souvenue que vous existiez ? C'est un petit peu les deux. Il est vrai que lorsque on fait une carrière importante aux États-Unis et qu'on revient dans son pays, on ramène quand même dans ses bagages une certaine auréole, et ça aide quand même à ouvrir certaines portes. Et puis la France s'est tout de même souvenue que je suis français, j'ai vécu ici, j'ai fait mes études ici, et on a envie maintenant de me connaître un petit peu plus. Alors, autre paradoxe, vous avez choisi ce soir de nous jouer Scarbo, qui est un cheval de bataille en quelque sorte du Conservatoire de Paris. Or, vous n'avez pas fait cette étape dans votre formation. Alors, est-ce que c'est une vengeance ? Est-ce que c'est un rattrapage ? Non, pas du tout. Je pense que Scarbo, qui est effectivement un cheval de bataille du Conservatoire de Paris, est avant tout une œuvre extraordinaire. C'est une des plus belles œuvres, une des œuvres les plus riches et inventives de Ravel, et c'est une œuvre que j'aime beaucoup jouer. Donc Scarbo, extrait des Gaspard de la Nuit. Pourquoi Scarbo ? Pourquoi le titre ? Eh bien, le titre, les trois pièces de Gaspard de la Nuit ont été inspirées à Ravel par des poèmes en prose d'Aloysius Bertrand, et Scarbo, c'est le nom d'un gnome, ou je dirais plutôt une sorte d'apparition un peu étrange et effrayante. Alors, je ne dirais pas qu'on va vous écouter grimacer au piano, on vous entend dans Scarbo, donc de Ravel. Thank you.
Merci Philippe Bianconi, j'espère que nous vous reverrons souvent en France maintenant que vous y êtes bien installé. Alors pour terminer, Thierry Beauvert, vous nous avez choisi un pianiste qui est curieusement français, André Vieru, ça ne sonne pas totalement breton. Pas vraiment, pour tout vous avouer, il est vraiment roumain. Ah, vous avez triché. Absolument, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais il y a des raisons à ça. André Vieru est le fils du compositeur Anatole Vieru, donc roumain. Il a fait ses études au conservatoire de Bucarest, il a renoncé... pour des raisons que l'on comprendra certainement, à passer des concours internationaux, pas tout à fait de son fait. Et en 1988, il a choisi de venir en France s'installer pour y faire carrière, ce qui explique, vu son âge et son choix de Paris, qu'on ait pu l'intégrer à cette sélection. Très bien, il va nous jouer ? Il va nous jouer du Bach, des extraits de... commandeur de la musique. Tout à fait. D'ailleurs, ça va avec sa passion pour les mathématiques. Il va nous jouer 3 extraits de l'art de la fugue. L'art de la fugue, dont on peut rappeler que c'est la dernière œuvre de Bach, avant qu'il ne... devienne aveugle, 1740, je crois. Tout à fait. Donc c'est d'abord le contrepoint numéro 2 et contrepoint numéro 3. Absolument. André Vieru. Thank you.
André Viroux, beaucoup de musiciens, et pas seulement des Français, ont tendance à considérer actuellement Paris comme une ville qui n'est plus une capitale musicale. J'aimerais avoir votre sentiment, vous qui venez de Roumanie, et aussi savoir pourquoi vous avez choisi Paris pour vous installer. J'ai choisi d'abord l'Europe. Et dans le cadre de l'Europe, j'ai choisi la France, peut-être à cause d'un esprit latin commun, et peut-être aussi parce que mon père m'a dit n'y va pas, donc de façon édipienne, j'y suis allé. Et qu'est-ce que vous attendez de la vie musicale française pour votre carrière? Quand on attend le sommeil, on a l'insomnie, donc la meilleure façon d'obtenir, c'est de ne pas attendre. Et vous aviez l'intention de venir en France, ou ce sont les hasards de vos pérégrinations qui vous ont mené à Paris? Je ne sais pas, il m'est difficile d'apprécier comment ça s'est passé, si c'est à cause de moi ou malgré moi, je ne sais pas. Et comment vous jugez la vie musicale française au bout d'un an de carrière en France? Très très haut niveau. J'ai écouté Alfred Brendel ou Radu Loup ou d'autres. C'est très bien, je dirais. André Viroux, vous m'avez avoué tout à l'heure que vous aimiez les mathématiques. Est-ce que c'est pour cela que vous aimez tant jouer Bach aussi? Je ne sais pas, c'était contemporain. Quand j'étais petit enfant, j'aimais les mathématiques et Bach, mais maintenant je ne m'occupe pas du tout des mathématiques. Tu as abandonné les mathématiques? Oui. Reste Bach, donc on va vous entendre dans le canon à la dixième, extrait de l'art de la fugue.
Merci André Vieru, j'espère que vous allez rester en France pour nous donner du Bach et peut-être d'autres compositeurs. Je pense qu'André Vieru joue aussi d'autres compositeurs que Bach. Il joue très bien Schubert. Peut-être que nous l'entendrons une autre fois. Alors rapidement pour terminer, vous savez qu'il faut toujours aller vite dans une émission de télévision. On a écouté beaucoup de musique, mais on peut continuer à en écouter chez soi avec les disques. Alors sur ces quatre pianistes, il y en a deux qui ont publié des disques. Philippe Cassard d'abord. Philippe Cassard, c'est le disque de son concours de Dublin. De Dublin, absolument. C'est le disque récital. Qui suit ordinairement le concours. C'est paru chez Ada. Et puis un disque Schubert, Les moments musicaux et la sonate en ut mineur, je n'en dis rien parce que je ne le connais pas, mais je crois que vous l'avez entendu vous. Magnifique, il a eu une très bonne note dans le monde de la musique. Un choc du mois. Absolument. C'est aussi paru chez Ada. Et puis Philippe Bianconi, alors de Philippe Bianconi, nous avons trois disques qui sont des disques où il fait cet exercice assez complexe d'accompagner un chanteur et pas n'importe quel chanteur, puisque c'est Hermann Prey, dans le Schwanengesang d'abord de Schubert, bien sûr, chez Denon. Dans la Schönemüllerin, la belle meunière. La belle meunière. Oui. Et dans le chef-d'œuvre, Winterreise. Le voyage d'hiver. Alors, puisque nous avons fait un certain nombre d'émissions sur le piano, je voudrais dire que je viens de recevoir quelques publications qui, sans être aussi intéressantes que le monde de la musique, Thierry, ont néanmoins d'intérêt. Je pense que vous les connaissez. Il y a d'abord ce livre qui est paru chez Van Vell, qui s'appelle Conversation avec un certain nombre de pianistes, et pas des moindres, parce qu'il y a Martha Argerich, Claudio Arao, Brendel, Kempf, Richter, Pollini, etc. C'est un journaliste qui a posé les mêmes questions à tous ces pianistes, mais chacun a répondu de manière pour le moins différente, et c'est très révélateur et assez passionnant. Tout à fait. Et puis, vous avez des enfants, nos téléspectateurs en ont aussi. Eh bien, je leur conseille ce livre que je trouve aussi très très bien fait, qui est aussi d'ailleurs paru chez Francis Van Vell, qui est, je crois, la traduction, l'adaptation d'un livre américain qui s'appelle Mon premier piano, et qui montre à ses enfants comment est fait un piano, comment il fonctionne, et puis qui leur apprend à commencer à jouer. Je trouve que c'est une bonne initiation. Je voudrais terminer, avant de rappeler le monde de la musique, par un concurrent. Mais est-ce vraiment un concurrent ? Pas tout à fait. La lettre du musicien, vous savez, cette publication tout à fait intéressante pour les professionnels et pour tous les amateurs de la musique, que dirige Michel Worms, publie périodiquement un volume spécial sur le piano. Et elle vient de publier, il y a quelques semaines, ce troisième numéro, cette hors-série, avec, entre autres, une passionnante interview de Maya Jo Pires, je pense que vous la connaissez. Absolument. Et puis, aussi un entretien avec Michel Schneider, que nous recevrons bientôt, d'ailleurs, dans Musical, sur le piano rend-il fou. Alors, c'est une revue qui ne se trouve pas dans les kiosques, donc il faut la commander au siège de la lettre du musicien, c'est 12 rue Jacob dans le 6e. Et puis je rappelle l'excellent numéro du monde de la musique, mais ils sont tous excellents. Le prochain qui paraît très très bientôt, qu'est-ce qu'il a comme couverture ? On abandonne le piano pour se tourner vers le baroque, on fête les 10 ans des arts florissants avec William Christie en couverture. Très bien. Eh bien nous continuons dès la semaine prochaine avec une émission où nous retrouverons des jeunes, mais non pas des jeunes pianistes, mais des jeunes chanteurs, qui seront d'ailleurs des jeunes chanteuses. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.